Bonjour Lara Fabian, comment ça va? Bien et vous? On est absolument ravis de vous voir, parce que franchement, on ne vous voit pas énormément maintenant à la télévision. C'est plutôt un manque, c'est pour mieux se faire désirer, créer l'envie de vous voir. C'est des circonstances qui m'ont menée ailleurs, tout simplement. Parce que si aujourd'hui, bon, objectivement, on ne vous voit pas assez, est-ce que vous ne trouvez pas qu'à un moment, on vous a presque trop vu? Oui, comme je pense, comme tous les artistes qui soulèvent l'engouement du public à un moment donné et qu'on sollicite de partout. Et je crois que quand on a cette chance, surtout en début de carrière, on a peut-être du mal à refuser de faire certaines choses. Et donc les choses s'accumulent et c'est vrai, on finit peut-être par nous voir trop. Alors c'est fou parce que vous avez une communauté de fans absolument considérable. Et en même temps, vu de l'extérieur, de loin, on a presque une impression de désamour, ce qui n'est pas du tout le cas. De la part des fans, vous dites? Ah non, de la part en général. Vos fans, ils sont toujours là. Vous avez un noyau de fans absolument incroyable. Ah oui, de la part des fans, moi je ne sens pas un désamour. Je sens plutôt une vraie, un vrai soutien, une vraie. Et puis ils vous suivent partout. Oui, une vraie constance, oui. Ils sont venus à Moscou Écoutez, ils viennent partout, vraiment. À Moscou, à Saint-Pétersbourg, en Ukraine. Je les vois partout, partout. Alors donc, depuis 6 mois, vous faites vraiment le tour du monde avec Mademoiselle Jivago, qui est sortie dans un coffret absolument magnifique, qui réunit un CD et le DVD d'un de vos concerts, de votre concert au Kremlin. Alors c'est un conte russe. Comment, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce coffret? En effet, c'est un conte russe. Mademoiselle Jivago est l'histoire d'une femme et de ses tribulations au travers des âges, puisque c'est une âme qui, d'une vie à l'autre, recouvre une sorte de mémoire qui lui permet de se rappeler de ses expériences passées et d'en développer peut-être un petit peu plus de sagesse, un peu plus de compréhension de la vie en général et de devenir, tout ça est tout à fait surréaliste bien sûr, mais de devenir un être meilleur avec le temps. C'est un peu l'idée de ce conte, c'est de se souvenir de ce qu'on a fait et d'en faire le meilleur. C'est parce que vous le prenez aussi pour vous ou... Oui, bien sûr. En fait, j'aurais presque ce désir dans la vie. Je me dis, et si on pouvait se souvenir de chaque chose que l'on fait? Une vie, ça a l'air de rien, mais c'est relativement long. Quand même. En même temps, il y a YouTube, etc., qui vous le rappelle. Hein. C'est vrai. Ce qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Mais je parle peut-être des choses qu'on vit intimement aussi, du chemin qu'on fait soi-même, et dont on n'a pas toujours le souvenir. On se demande parfois, d'ailleurs, comment on est arrivé du point A au point B. Et c'est un peu... C'est un peu ça, Mademoiselle Jivago, c'est se demander ce qu'on deviendrait si on avait la mémoire de nos vies passées. Justement, ce nom de Jivago rappelle forcément le livre de Pasternak, le film aussi, hein, oui. Docteur Jivago, bien sûr. Votre nom, votre prénom, Lara, vient forcément de là? Un coup de cœur de ma maman, qui est enceinte, a vu le film, juste après avoir lu le roman, et qui a décidé de m'appeler comme l'héroïne. Oui. Justement, votre mère est sicilienne. Qu'est-ce que vous avez d'italien en vous? Avec vous, on a l'impression que ce n'est pas forcément la Dolce Vita. Hein. Moi, je vous perçois plutôt comme une femme, plutôt une working girl, très énergique. Oui, en fait, il y a une très, très étrange dichotomie en moi, de ce point de vue-là. Il y a effectivement ce que vous dites, et puis il y a la Dolce Vita. Je suis une épicurienne, j'aime la vie, les choses qui font du bien. Donc, ce que j'ai de ma maman et de cette Dolce Vita, c'est le fait que j'ai appris à contempler les choses grâce à ma mère. Mais avec beaucoup de joie de vivre et d'enthousiasme et de vitalité, nonobstant le fait que je sois une working girl. Alors, Mademoiselle Jivago, c'est un projet entouré de beaucoup de mystères. À l'origine, c'était un film musical réalisé par Alain Badeuf, construit autour de chansons composées par Igor Kruteuil. Pourquoi finalement vous avez renoncé à présenter ce film? Alors, je me permets de remettre les choses dans l'ordre. Alors, à la base, ce sont des chansons composées par Igor et écrites par moi. D'accord, donc ce n'est pas un film à la base? Non. Et un jour, Igor vient me voir, il me dit « Je connais un jeune mec de talent qui s'appelle Alain Badeuf. Je vois son travail qu'il avait fait sur Dimitri Rostorovski, le baryton
le tigre sibérien, comme on l'appelle. Et j'avais trouvé ça vraiment magnifique. On est rentré dans cette histoire, je lui ai présenté mes textes, et autour de mes textes et de l'idée de composition d'Igor, il a imaginé l'histoire de cette transcendance karmique, de cette âme qui voyage. Et puis, on est rentré dans ce qu'on appelle le travail pur et dur. J'ai fait 3-4 mois de tournage. Et finalement, lui, derrière ça, a fait 3-4 mois d'autres tournages et puis de montage. Et comme vous le savez, un réalisateur, à partir du moment où il a la main sur le montage et qu'il a le final cut, il peut véritablement vous changer une histoire. Et je crois qu'il a eu une vision qui était la sienne et qui ne correspondait pas du tout à celle qu'Igor et moi nous avions imaginée. Et comme ça devenait un peu infidèle intrinsèquement au propos, je ne me suis pas sentie du tout le cœur de le proposer comme ça. Ça aurait été une forme de trahison pour moi, parce que c'était très très noir, très obscur. Alors je suis complètement d'accord avec quelque chose qui ne soit pas la lecture exacte de l'auteur. Il n'y a pas de souci, c'est pour ça qu'on fait appel à des réalisateurs. Mais là, ça transgressait un certain nombre de valeurs qui me sont fondamentales. Et je n'avais vraiment pas le cœur de les montrer. Comment ça vous est venu, l'idée du concept même de vous appeler Mademoiselle Jivago? C'est vraiment un projet que vous avez porté sur vos épaules, hein, vraiment. Oui, c'est un clin d'œil à ce coup de cœur qu'a eu ma maman pour l'héroïne. Et vu que... C'est pas un hommage à votre mère aussi? Tout à fait, que de tous les prénoms qu'elle a choisis, elle a choisi le prénom d'une femme qui était véritablement... qui faisait partie de la division d'un amour, puisque dans le roman de Pasternak, on s'aperçoit de cette problématique du choix, hein, le choix amoureux. Je me suis dit, tiens, le choix, la multiplicité, les vies multiples, voilà. Peut-être que si cette fille avait eu l'occasion de choisir de vivre une autre vie, elle l'aurait fait, d'être vraiment aimée de cet homme comme elle l'aurait souhaité. Alors justement, fait. Rappelez-vous, 2011, il y avait une bande-annonce du film qui a un petit peu tourné sur Internet. On vous découvrait un peu métamorphosé donc en 11 femmes, vivant donc toutes à des époques différentes. Et on vous découvrait surtout actrice. En 2 minutes de bande-annonce, vous exploriez cette palette d'expressions avec franchement une rare intensité. La comédie, ça a toujours fait partie de vous? Tout à fait. Je trouve que ça fait partie du rôle d'interprète. Vous êtes comédienne dans quand on interprète une chanson, je prends l'exemple de Je suis malade, qui est une chanson que je porte depuis 20 ans. Si on ne peut pas jouer le rôle qu'incarne ce texte, la chanson devient un peu unidimensionnelle. Donc j'ai toujours eu vraiment à cœur de développer cette facette. Oui. Et j'adore, parce que ça me permet de rentrer dans un autre monde, d'être quelqu'un d'autre, l'espace de 3 minutes pour raconter une histoire. Je suis... Parfaitement malade, tu pars, on ne sait jamais quand, tu arrives, on ne sait jamais d'où, et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Est-ce que cette expérience-là vous a donné envie de continuer, de persévérer dans le cinéma? Beaucoup, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup. Vous recevez aujourd'hui des scénarios, des réalisateurs vous proposent des choses? J'ai reçu 2-3 choses, alors un peu à l'humour. Il y a un garçon fabuleux qui s'appelle Arthur Benzaken qui m'a fait jouer dans un récurrent où je joue mon rôle, mais avec beaucoup de dérision, beaucoup d'auto-dérision d'ailleurs. Et j'ai beaucoup aimé ça. Donc oui, il y a des petites choses comme ça qui arrivent. Alors, l'actrice qui vous ferait rêver, ce serait qui? Vous voudriez, si aujourd'hui vous vous lanciez dans une carrière d'actrice, vous rêveriez d'être qui? Meryl Streep. Du côté anglophone, ce serait Meryl Streep. Et du côté francophone, moi j'ai une passion pour Juliette Binoche, que je trouve d'une sensibilité absolue, d'une beauté absolue. Voilà, ce seraient ces 2 femmes-là que j'aime le plus. Vous avez du goût. Merci. Je disais tout à l'heure qu'on vous voyait rarement aujourd'hui un peu sur les scènes. En écoutant Mademoiselle Jivago, j'ai l'impression, vous me dites si c'est une comparaison qui vous plaît, que c'est un peu Yentl de Barbara Streisand. Oh mon Dieu, quel compliment. Ça vous... Ah ben moi, si vous voulez, c'est bien plus que juste une voix. Pour moi,
Elle est un peu un guide, elle est un peu la lumière qu'on regarde toutes quand on fait ce métier. Enfin, en tout cas, les filles qui font ce métier, qui comme moi aiment les voix et l'intensité, aiment cette femme. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion dans ma vie d'écouter beaucoup Yentl, beaucoup et de m'en inspirer. Donc c'est vrai que... Alors c'est drôle par contre en termes de comparaison, puisque en termes de déploiement musical, on a voulu faire quelque chose de très lyrique, puisque c'est un conte russe, on l'a coloré de l'âme slave, c'est vrai. Et en termes de thème, pas vraiment, mais quel beau compliment. C'est un peu votre Michel Legrand à vous. Quoi. C'est un peu mon Michel Legrand à moi. Il serait très heureux d'entendre ça. Lui, en tout cas, en Russie, c'est le Jean-Jacques Goldman local. Hein. Complètement, ouais. Complètement. C'est un personnage, c'est une icône dans ce qu'il fait. Oui. Comment ça s'est fait la rencontre ? Il m'a cherché, il m'a trouvé. C'est aussi simple, quand on vous cherche, on vous trouve. Bah oui, c'est aussi simple, il faut en avoir vraiment envie. C'est assis un soir à l'Opéra de Moscou pour voir un de mes concerts acoustiques. Et puis, il est venu dans les loges. Je le raconte d'ailleurs dans le livret du conte russe, il est venu dans les loges et m'a tendu un CD avec une trentaine de chansons. Et voilà. Et vous avez adhéré tout de suite ? Non, pas vraiment. Mais par la suite, en rencontrant le personnage, l'homme et l'histoire, alors j'ai été un peu plus loin dans l'écoute et je me suis vraiment passionnée pour cette histoire. Là, Fabian, Mademoiselle Jivago est donc dans tous les bacs. Le DVD du coffret, c'est donc celui d'un concert que vous avez donné au Kremlin. Alors, vous y chantez dans toutes les langues, hein, en français, en italien, en anglais, même en russe. Не хочу, чтоб ты лишь горь.